Bonjour à tous. On vient juste donc de lancer ce module 2 de la formation à la visioconférence. Je vois que vous commencez tous à vous connecter. On va attendre quelques instants que tout le monde arrive au fur et à mesure. Je vois qu'une personne nous a rejoint justement par téléphone. Super. Donc, ça veut dire que ça fonctionne bien. Voilà, je vous laisse arriver tranquillement. Donc, on va pouvoir démarrer dans quelques instants. Donc, je vous rappelle l'objet de ce module 2 de cette formation à la visioconférence. Donc, je suis accompagné d'Eric Varroquet d'Epsilon Media. Et pour rappel, je suis Sébastien et je suis consultant digital et j'interviens donc dans cette formation pour vous parler un peu de visioconférence. Dans ce module 2, on va s'intéresser aux aspects théoriques, c'est-à-dire aux usages et aux bonnes pratiques de la visioconférence. Et vous allez voir qu'on va beaucoup parler du champ social et médico-social cette fois-ci. C'est pour ça qu'Eric sera beaucoup plus présent qu'au module 1 pour pouvoir intervenir et vous faire des retours d'expérience justement sur les différentes situations rencontrées. Et vous aurez le loisir, bien sûr, dans le chat, hein, donc via le petit bouton « Converser » en bas de votre écran Zoom. « Converser » vous permettra justement de partager eh bien, vous aussi vos expériences vos impressions sur votre pratique de la visioconférence, en tout cas dans l'exercice de votre métier. Je vois que nous avons Alix qui nous demande pour le replay du premier module, où peut-on le trouver? Alix, si vous avez bien reçu le mail d'invitation à ce module 2, vous verrez en bas, il y a le replay, donc le lien vers le replay du module 1. Le lien est disponible dans cet email-là. On fera un email de toute façon également avec le replay du module 2 et du module 1, également du tuto que je vous ai préparé qui est finalisé et qui va être mis en ligne aujourd'hui. Et vous aurez ainsi tous les replays au fur et à mesure et à la fin, on fera un récapitulatif. Si jamais vous ne recevez pas l'email, vérifiez dans vos courriers indésirables. On ne sait jamais, ça peut arriver. Pardon. Et sinon, vous n'hésitez pas à nous contacter. Epsilon Media transmettra l'info et on pourra vous faire suivre ces liens directement par retour de mail. Voilà, je pense que maintenant, vous avez eu le temps de tous arriver. Donc, je vois… Alors, des difficultés à vous rejoindre. Nous sommes sous la pluie et des orages sont prévus. Très bien. Je ne vois pas complètement le nom. Réseau des accorderies. Très bien. Ben, espérons que vous ne serez pas déconnecté. Si jamais c'était le cas, ça sera disponible en replay. Donc, vous pourrez prendre connaissance de toutes les informations qui seront données aujourd'hui. Alors, Alix nous redemande pour le replay. Oui, donc effectivement, c'est sur la chaîne YouTube Epsilon Media, mais on réserve bien sûr ce replay à vous, personne donc qui vous êtes inscrit sur cette formation. En tout cas, dans un premier temps. Oui, alors pour les questions posées, effectivement, Lucie me demande. Alors, je vais ouvrir les questions. Donc normalement, pour les questions, donc dans le module de questions-réponses, lorsqu'il y aura des questions posées, vous pourrez tous voir les questions des uns et des autres. Je vous invite vraiment donc pour les questions à utiliser ce module questions-réponses et à utiliser le chat pour partager bien sûr vos retours. Mais là, les droits sont ouverts, vous pourrez tous les voir. Il y a juste donc pour le chat, voilà. Normalement, vous pouvez envoyer à tous les participants et tous les conférenciers. Donc pardon, excusez-moi, coupure de micro. Voilà. Ensuite, Lucie, je viens de vous répondre. Et voilà, pareil, donc Fabiana, pour le replay également, donc c'était dans le mail d'invitation à ce module 2. Vous aviez le lien vers le replay du module 1. Et donc les autres replays vous seront distribués au fur et à mesure, bien sûr, de leur mise en ligne. Et à la fin, on fera un mail récapitulatif. Vérifiez vos courriers indésirables et si vous n'avez pas, vous faites un petit mail à Epsilon Media. Je vais pouvoir donc lancer le module 2. C'est parti. Voilà, donc normalement, vous devriez tous voir mon écran. Alors, on a choisi cette fois-ci de ne pas intégrer directement la caméra dans la présentation. On s'est rendu compte effectivement que ça pouvait… j'ai un petit problème de connexion. Voilà, normalement, ça devrait aller. Voilà.
On s'est rendu compte effectivement que lorsqu'on intégrait la vidéo de notre Prezi directement avec la présentation, comme on l'a fait dans le module 1, ça pouvait justement avoir un effet un peu négatif sur la lecture, la lisibilité des textes. Donc, on a choisi de faire comme ceci pour ce module 2. Donc, vous aurez la présentation, nos voix, et puis on reviendra entre deux justement pour répondre à vos différentes questions et réagir à vos remarques dans le chat. Donc, on va tout de suite commencer avec la partie 1 qui est donc sur les nouveaux usages que nous avons pu observer par rapport à l'utilisation de la visioconférence. Il faut savoir que la visioconférence est un nouvel outil de communication. Et ça implique donc de nouveaux usages, au même titre, par exemple, que le téléphone, l'email, les réseaux sociaux, à une certaine époque aussi la correspondance, le courrier. À l'apparition, je vais dire, de ces moyens de communication, il y a forcément des nouveaux usages qui sont apparus, c'est-à-dire qu'il y a des codes d'utilisation de ces moyens de communication pour en faire un usage le plus efficace possible et les utiliser justement pour ce à quoi ils se destinaient à l'origine. Et on va voir justement pour la visioconférence quels sont ces usages et comment l'utiliser au mieux. Après, bien sûr, il y a toujours la question d'un outil de communication. Est-ce qu'il faut nous adapter à l'outil, c'est-à-dire utiliser les codes, quitte peut-être à l'utiliser pour un besoin qui, en tout cas, d'une façon qui ne répond pas totalement aux besoins originels. Ou alors, est-ce qu'il faut adapter l'outil à son besoin complètement et à la rigueur sortir un petit peu des codes? Et je pose cette question justement pour savoir, est-ce qu'il faut faire un choix entre ces deux méthodes? Et la réponse, selon moi, est non. C'est-à-dire qu'il faut vraiment, c'est un peu des deux, c'est-à-dire qu'il faut adopter les usages, ces nouveaux usages de moyens de communication donc autour de la visioconférence, mais également faire en sorte que la visioconférence réponde parfaitement à votre besoin. Et peut-être que ce ne sera pas forcément toujours cet outil de communication. Il faudra vraiment adapter en fonction de vos attentes à un instant T et également dans une façon plus globale à votre activité. Donc, on va regarder justement ces usages et ces besoins. On va rentrer dans le détail et vous allez comprendre le propos. Pour la visioconférence, j'ai essayé justement d'identifier dans la visioconférence quels étaient les nouveaux usages, justement, les nouveaux codes pour bien utiliser, pour avoir une utilisation optimale de cet outil. Dans visioconférence, vous avez la partie visio qui est donc la vidéo. Idéalement, la visioconférence, il faut pouvoir se voir pour annuler cette distance, pour gommer la distance. Quand on peut se voir, c'est toute la différence, par exemple, avec le téléphone. Se voir, ça va être justement ce contact visuel qui va vous permettre de créer le lien social qui est plus humain, plus convivial. Vous l'avez sans doute expérimenté déjà pendant le confinement. Ça permettait justement de garder un contact visuel, de voir les personnes, de voir éventuellement les personnes évoluer, changer, et de voir également, eh bien, dans le langage corporel que vous aviez en direct, de voir leur réaction, un sourire, pourquoi pas, un doute, une interrogation lorsque vous preniez la parole, et ça permettait tout de suite de réagir. Également, lorsqu'on voit un sourire, on peut rebondir dessus, et puis ça donne justement un moment convivial où on peut échanger, on peut parfois rire, et voilà, ça donne lieu à des échanges beaucoup plus conviviaux que si on est simplement par téléphone ou simplement par email, par exemple, qui est beaucoup plus standardisé et beaucoup moins dans l'échange. Attention tout de même, et c'est ce que je note ici, et on vous en reparlera tout à l'heure avec Eric, c'est que la visio, à notre sens, ne remplace pas et ne remplacera jamais le présentiel. C'est-à-dire que le présentiel garde, bien sûr, et encore plus dans votre métier, une place cruciale pour justement créer le lien entre travailleurs justement du social médico-social, mais aussi avec les publics accueillis. Et également, donc, la partie conférence, de visioconférence, la conférence, c'est sur la forme notamment, c'est-à-dire qu'une conférence, on est à plusieurs, il y a un échange vivant, interactif qui se crée, et à la fois sur le fond pour justement transmettre des connaissances, des informations, qui peuvent être justement à double sens, mais il faut qu'il y ait ce véritable usage, il faut qu'il y ait ce besoin déjà de se réunir et de transmettre des informations. Tout comme une réunion, en fait, on la prépare et elle n'a lieu que s'il y a une vraie utilité, la visioconférence, c'est pareil. Justement parce que ça demande une vraie préparation, vous l'avez sans doute expérimenté, il y a des problèmes techniques, il y a des limites, il faut pouvoir se préparer, il y a également donc tout le contenu à prévoir. C'est le cas aujourd'hui, par exemple, pour cette formation, il y a beaucoup de travail en amont. Donc, il faut vraiment le faire que s'il y a une véritable valeur ajoutée à ce que vos équipes, à ce que vous et les publics accueillis ou accompagnés,
trouviez justement une véritable valeur ajoutée à cet usage. Donc, il y a vraiment ces deux aspects. Il y a vraiment la forme et le fond qui, eh bien, lorsqu'ils sont appliqués, en tout cas systématiquement dans votre usage de la visioconférence, eh bien, vous permettront véritablement d'en tirer profit. Je vais tout de suite avancer donc sur les besoins. J'ai vu qu'il y avait deux, trois réactions. Je reviens dessus. Dès qu'on a terminé cette partie, on fera des petites coupures justement pour revoir ensemble les différentes réactions. Concernant les besoins, il faut toujours donc vous demander par rapport à l'usage de la visioconférence, quel est votre besoin, quelles sont vos attentes pour savoir si oui ou non la visioconférence va être adaptée à l'objectif que vous souhaitez atteindre. Et pour cela, je vous ai noté plusieurs questions auxquelles il va falloir répondre dans votre échange avec donc vos interlocuteurs, avec vos collègues, avec donc les personnes que vous allez accompagner. Est-ce que vous avez besoin de voir vos interlocuteurs? Est-ce que le contact visuel, justement, pour le coup, a une place importante dans le sujet, dans le thème que vous allez devoir aborder? Est-ce que vous devez leur partager un document, une présentation comme aujourd'hui, par exemple, un tableau ou tout simplement votre écran? Est-ce que vous dites justement à un certain moment, est-ce que le fait de partager mon écran et d'échanger avec eux va nous permettre de pouvoir prendre des décisions, de pouvoir réagir en direct sur quelque chose? D'ailleurs, c'est la question numéro 4. Faut-il avoir un retour direct de vos interlocuteurs? Est-ce que il ne peut pas y avoir de délai? Est-ce que vous avez besoin d'une réponse assez rapide? Est-ce que vous voulez justement prendre la température auprès de vos équipes, auprès de vos collègues sur certains sujets, de certaines questions parce qu'il y a urgence ou en tout cas parce qu'il y a un vrai intérêt à avoir cet échange en direct? Est-ce qu'une présentation orale et visuelle peut m'aider justement dans la présentation, dans cette réunion, dans la présentation de mon sujet? Aborder les choses à l'oral, c'est très différent d'un email. Vous l'expérimentez au quotidien. Vous voyez bien qu'il y a des interprétations, des tournures de phrases. Le contact visuel, encore une fois, va vous permettre justement visuellement de montrer des choses et pas simplement de les écrire et d'essayer de les décrire en trois paragraphes, ce qui peut justement, bah, on peut perdre l'essence même de ce que vous allez vouloir produire comme fond, de ce que vous allez vouloir partager. Et sommes-nous à distance les uns des autres? On l'a vu pendant le confinement, et ça c'est le meilleur exemple, le confinement, par rapport à cette question-là, c'est est-ce que nous sommes à distance d'une telle façon que nous ne pouvons nous rejoindre facilement, ou en tout cas, est-ce que nous sommes peut-être tous éparpillés? Et est-ce que, d'ailleurs, il y a une autre question, c'est est-ce que les agendas nous permettent dans cette question de nous retrouver à un moment donné dans le temps et on va dire à une date qui ne soit pas trop éloignée pour avancer sur notre sujet, ou est-ce que justement les coûts logistiques par exemple ne sont pas un frein au fait de se réunir? Eh bien, la réponse à toutes ces questions va vous permettre d'opter pour le meilleur outil de communication, et je vous ai mis un tableau récapitulatif justement par rapport à vos réponses à ces questions. Quel outil privilégier ou quelle méthode, par exemple présentiel, privilégier pour vos prises de parole, vos échanges en équipe? Et là, on voit bien que si votre réponse est oui à une grande partie ou du moins à toutes les questions, optez pour la visio. Le présentiel, vous voyez, répond à de nombreux points sur ces questions-là, sauf la distance, bien sûr. Et c'est en ça que la visio s'est révélée extrêmement utile pendant le confinement et va sans doute se pérenniser par certains aspects, on le verra juste après. Par cet aspect de gommer les distances, justement, le fait d'être en ligne, en direct, en un instant, sans devoir se déplacer, sans devoir coordonner des équipes sur des déplacements d'un bout à l'autre, pourquoi pas, du pays. Alors, je vous ai mis deux conseils pratiques, justement, par rapport à l'utilisation de ces différents outils, et notamment de la visioconférence, c'est de faire des tests en amont pour valider le meilleur outil ou le meilleur format. Et ça apparaît pas sur cette slide-là, mais le format, tout simplement, dans le cadre de la visioconférence, il y a deux formats principaux. Le premier, ça va être tout simplement les réunions. C'est-à-dire les réunions en visioconférence, tous les participants sont des intervenants et sont partie prenante de l'échange. Vous les voyez à la caméra, vous les entendez au micro, et tous, vous allez pouvoir échanger sur un même niveau d'égalité en termes d'informations partagées. Le deuxième format, c'est le format d'aujourd'hui, c'est un format webinaire, donc c'est le terme technique, qui s'apparente à une conférence ou à une formation qui aurait lieu en présentiel, par exemple. Vous avez quelques intervenants qui vont prendre la parole, qui vont présenter à un auditoire beaucoup plus élargi, qui va pouvoir interagir par des questions ou lever la main et interagir seulement à certains moments
de la visioconférence, mais on est sur un format beaucoup plus montant-descendant, c'est-à-dire qu'on a une transmission d'informations et de connaissances plus qu'un échange, je vais dire, salle de réunion. Donc, vous avez vraiment ces deux formats et faire des tests et se poser les questions justement par rapport à votre besoin et à vos attentes, par rapport au sujet qui va être présenté, eh bien, vous permettra d'opter pour le meilleur format. Et ça fait référence justement dans le module 1 aux différentes formules de ces outils, c'est-à-dire que les outils de visioconférence, on l'a vu, hein, Zoom, Teams, Skype ou encore Google Meet, par exemple, pour les principaux, eh bien, ont différentes formules, c'est-à-dire que vous allez pouvoir, par exemple, sur Zoom, faire des réunions avec des formules gratuites ou en tout cas très peu chères dans les premières formules. Et vous avez bien des formats beaucoup plus avancés avec des questions-réponses. Le format webinaire comme aujourd'hui est une formule plus avancée et donc qui répondra seulement à certains besoins, dont, en tout cas pour certains d'entre vous, à certains besoins justement dans votre pratique. Le deuxième conseil pratique, c'est vraiment d'expliquer aux participants, et là, pour le coup, ça rejoint également la méthode du présentiel, c'est d'expliquer aux participants l'objectif de la réunion, le programme, pourquoi pas l'ordre du jour, pour gagner un maximum de temps et que tout le monde arrive en ayant en tête les objectifs de cet échange et qu'on ne perde pas trop de temps justement à trouver un petit peu le sujet de l'échange et qu'on soit moins efficace finalement et qu'on, sachant que la visioconférence eh bien, prend du temps, ce n'est pas parce qu'elle n'est pas en présentiel justement cette réunion qu'elle ne prend pas du temps et de la préparation, on en parlait justement avant, eh bien, il faut vraiment bien préparer cet aspect-là et on le verra tout à l'heure dans les bonnes pratiques, ça vous permettra vraiment de fluidifier l'échange. Donc, je vais tout simplement stopper le partage d'écran pour revenir sur vos différentes réactions s'il y en a eu. Oui, donc Réseau des Accorderies nous dit justement la vision du sourire que l'on n'a plus avec le masque. Eh bien oui, c'est sûr que le contact visuel dont on parlait justement dans les usages, le contact visuel est extrêmement important. Le sourire, effectivement, en tout cas en visio, le masque n'étant pas obligatoire, on n'avait pas ce problème-là effectivement par rapport au présentiel où tout le monde était obligé, et même encore aujourd'hui parfois, de garder le masque. Et Waka conseille donc qui nous confirme que le contact visuel avec les interlocuteurs est important, effectivement. Tout à fait, et je suis ravi que vous puissiez assister enfin à ce module 2. Eh bien, je vais donc s'il n'y a pas d'autres questions ou réactions, je vais partager de nouveau mon écran et nous allons poursuivre sur la deuxième partie. Voilà. Et donc, on va aborder la question de cas pratiques dans le social médico-social. Et je vais pour cela passer la parole donc, à Eric qui va pouvoir justement vous présenter un petit peu son point de vue sur la question. Bonjour à vous toutes, à vous tous. Alors, effectivement, comme j'avais pu le dire lors du premier module dans mon introduction, on a vu que la visioconférence était entrée dans le champ du social et du médico-social et à une vitesse assez impressionnante. Puisqu'on a vu dans le type d'usage, on a vu des usages inédits. J'en présenterai tout à l'heure un certain nombre de cas. Ce qui était assez impressionnant, c'est comment chacun s'est adapté finalement très très vite à ces outils et aux possibilités que cet outil offre. Je pense qu'il est nécessaire, il est important de revenir toujours sur le fait que la visioconférence ne remplacera jamais le présentiel. Ça, c'est très important. J'insiste sur l'aspect, le présentiel, c'est un plus, mais que si on utilisait essentiellement, la visioconférence est un plus, mais si on utilisait essentiellement la visio, ça peut devenir un moins. Hein. Donc, ce qui est important dans tout ce qu'a pu nous dire Sébastien jusque-là, c'est de se dire en quoi ça peut apporter quelque chose de nouveau et en quoi ça répond à des besoins. Alors, je vais vous présenter, pour être très concret, un certain nombre d'usages dont on a été témoin et on essaiera à partir de là de voir eh bien, les aspects positifs et les aspects négatifs. Parmi ces cas concrets, on a vu effectivement des directeurs de structure dus au confinement qui ont pu par ce moyen s'adresser à leurs équipes.
de faire régulièrement des réunions par visioconférence. Et on sait que pendant cette période de confinement, ça a permis aux uns et aux autres de rester en contact. Et on sait que c'est essentiel, non pas seulement en tant que directeur, de s'adresser à chaque un de nos collaborateurs, mais de régulièrement d'être tous ensemble pour pouvoir échanger et partager. Donc, ça, c'est une des utilisations qui a été faite. On a vu ça également, je pense par exemple, à un service d'AEMO. Sur un département, sur ce département se trouve un certain nombre de pôles, et ces chefs de service ont pu régulièrement se retrouver une fois par semaine pour échanger sur les informations qu'ils souhaitaient partager. Et là, on peut penser que dans l'avenir, ce type d'utilisation peut être extrêmement précieux, tout simplement parce que ça se passe en Île-de-France, il y a une difficulté de transport, donc les chefs de service ont l'habitude de se retrouver, mais ils ne peuvent pas le faire autant qu'ils le souhaiteraient. Et donc, on peut penser qu'il y aura des réunions en présentiel et régulièrement des réunions en visioconférence. Donc ça, c'est un deuxième exemple. Ensuite, j'ai eu vent également d'un responsable d'équipe de bénévoles qui a pu rester en contact sur l'ensemble du territoire pour une association nationale où les bénévoles sont répartis ou en région ou, comme je viens de le dire, au niveau national. Ils ont eu recours à la visio, difficulté de se réunir, coût important, surtout pour une association, si on veut se rencontrer, pour partager, construire des projets, etc., etc. Les coûts de transport peuvent être importants, de même que le temps que ça exige. Et là, on peut voir effectivement un usage nouveau, intéressant, pour pouvoir organiser des équipes de bénévoles. Autre situation que j'ai rencontrée, et là on peut penser que ça pourrait se développer grandement, c'est la possibilité pour les travailleurs sociaux d'être en contact régulièrement avec des usagers dont ils n'ont pas la possibilité, encore une fois pour des raisons géographiques ou autres, de les rencontrer autant qu'ils le souhaiteraient. Encore une fois, on insiste, ça ne remplace pas le présentiel, mais ça peut être un plus pour être au plus près des personnes qu'on accompagne. Autre exemple, vous en avez tous sûrement entendu parler, ça a été un outil essentiel pour les personnes âgées dans les EHPAD de rester en lien avec leurs proches. On sait que les visites ont été suspendues. C'était un moindre mal, j'ai envie de dire, pour ces personnes de rester en contact. Et là, c'est là qu'on voit la limite, c'est-à-dire à la fois ça offre un plus parce que ça a permis aux familles d'être en lien avec leurs parents, aux enfants d'être en lien avec leurs parents, mais en même temps, on a vu qu'aussitôt qu'il y avait la possibilité d'aller les voir de visu, ils se précipitaient d'aller à la rencontre. Et autre exemple, une équipe d'éducateurs en club de prévention. Parfois, il peut y avoir des difficultés à joindre des jeunes, à les amener à venir dans le local où les jeunes se réunissent parce qu'il y a un jeune qui peut être en rupture, etc. Il y a toute une équipe d'éducateurs de club de prévention qui ont organisé régulièrement des rencontres à la fois individuelles, un éduc qui rentre en contact avec un jeune, outils qui maîtrisent bien, outils qui favorisent, ou même parfois avec des groupes de jeunes. Voilà parmi les nombreux cas rencontrés, les cas concrets, on peut penser qu'on inventera tous, pour des raisons qui nous sont propres, des nouvelles manières de faire, des nouvelles manières de rencontrer les personnes, qui pourrait être un plus par rapport à des présences de visu, dirais-je. Alors, peut-être que vous avez des exemples à nous donner sur, je vois, il y a des questions. Oui.
Alors, je vais justement aller voir ces questions en même temps pour pouvoir réagir. Alors, donc oui, n'hésitez pas à partager vous aussi peut-être vos expériences en visioconférence durant le confinement et peut-être même après le confinement dans le champ du social. Ça nous permettra peut-être de réagir et de voir quels sont les aspects positifs, négatifs, les freins qu'on trouve encore à cet usage. Alors, je regarde un petit peu vos réactions. Donc, il y a, alors Sylvie qui nous dit que les messages ne s'affichent pas. Appuyez bien sur le bouton converser pour aller voir donc les messages et il faut également que les personnes aient choisi de l'afficher auprès de tous les participants. Sylvie. Alors normalement, vous voyez tous les questions des uns et des autres. L'option est activée. Donc voilà. Donc, très bien. Ah oui. Et donc on a justement, alors je ne vois pas le prénom en entier, donc une personne qui nous parle de l'analyse des pratiques en visio. Et c'est justement un point que va aborder Eric dans un instant justement. Ah voilà. Donc on a un témoignage ici donc de M. Percevaux. Donc dans ma structure, soins et addiction, consultation à distance avec psy, médecin et travailleur social. Donc, Eric, je ne sais pas si tu veux réagir justement à ce témoignage dans le cadre de justement pour la structure soins et addiction, consultation à distance avec psy, médecin et travailleur social. Voilà, c'est typique le genre de choses qu'on va voir se développer. Alors, on sait qu'il y a les inégalités numériques, hein, des gens qui ne disposent pas d'ordinateur ou qui ne savent pas utiliser au mieux. Donc, on aura un travail aussi d'accompagnement, d'accompagner les usagers à utiliser ce matériel. D'où aussi cette formation, c'est aussi une manière d'inciter chacun à utiliser au mieux cet outil et de développer autour de soi. Mais effectivement, je pense que je vous donne un exemple. J'ai des groupes d'analyse de la pratique qui se déroulent sur l'ensemble du territoire français. Là, il y a quelques jours, j'animais un groupe dans les Alpes avec une équipe qui se trouve d'un établissement qui se trouve dans les Alpes. Régulièrement, je vais à leur rencontre, mais on peut penser que on a fait des séances en visioconférence et je pense que dorénavant, on aura une séance en présentiel et une sur deux ou une sur trois, ça se fera en visioconférence. Voilà. C'est vrai que ça va déboucher sur des nouvelles manières de faire, des nouvelles pratiques et de nouvelles possibilités comme tout outil de communication que les hommes ont inventé depuis toujours. On a essayé de compenser la possibilité de communiquer alors qu'on n'était pas en présence depuis tout le temps. Il y avait la correspondance, il y a eu le télégraphe, il y a eu le téléphone, et puis il y a eu les emails, et puis aujourd'hui il y a la visioconférence. Il y a une nécessité, comme disait Grégory Bateson, on ne peut pas ne pas communiquer. Et donc on invente des outils. Et ce qui est intéressant avec la création de ces nouveaux outils, on trouve des nouvelles modalités de communiquer. Par exemple, au XVIIIe siècle, quand la correspondance elle se développe, il va se développer la possibilité de dire des choses intimes qu'on n'aurait pas dit de visu. Hein? Le fait d'être loin de son interlocuteur sur la page blanche, on va lui dire des choses, peut-être parfois plus intimes, c'était le cas au XVIIIe siècle, et qu'on n'aurait pas osé dire si on était en présence. Donc tout ça pour dire que chaque nouvel outil va amener de nouvelles manières de communiquer, des nouvelles possibilités. Encore une fois, c'est un plus, hein, ça ne remplace pas. Souvent, on peut être très heureux d'écrire ou d'avoir des nouvelles d'un ami, mais ça ne remplace pas une visite à la maison de l'ami en question. Alors, on a ensuite Fanny qui nous dit organisation, par exemple, de visites de stage à distance pour les étudiants. On a également donc le centre socio-orthèse. Donc, en ce qui me concerne, pas de réunion d'équipe pluridisciplinaire en visio, juste mon secteur, dommage. En revanche, lien avec les jeunes, collectifs ou en individuel. Également, alors, je regarde un petit peu hein, vos différents partages parce que ça peut être intéressant justement de rebondir parfois dessus. Donc, dans un centre social, l'activité de rencontre avec les habitants qui avaient l'habitude de se rencontrer en présentiel au CS.
Alors également, le centre socio-orthèse qui dit les jeux en visio aussi pour partager des moments de détente, c'est important. Exactement. Dans les clubs de prévention, ça, c'est des choses qui se font de plus en plus. Ensuite, donc, on a la visio m'a permis une meilleure accessibilité à des formations, par exemple, qui auraient réclamé un déplacement important auparavant, notamment la formation de bénévoles. Exactement. Je peux témoigner d'une expérience personnelle. Pendant tout le confinement, j'ai suivi un cours tous les jours de 18h à 19h qui réunissait une centaine de personnes sur l'ensemble du territoire et même au-delà. Et on se retrouvait pour un cours tous les soirs à 18h. C'est chose que, d'incroyable quand on y réfléchit. Oui. Rendu possible, oui, donc par la visio. La visio. Ensuite, on a donc Brigitte qui nous dit réunion d'équipe en visio, analyse de pratique en visio, et elle est en CESAD. Mm-hmm. Ensuite, donc dans l'association, donc le réseau des accorderies, nous sommes restés en contact avec toutes les accorderies de France pour partager notre vécu et les infos. C'est vrai que j'ai beaucoup parlé au niveau des usages et des besoins d'informations, de réunions, etc. Mais il n'y a pas forcément effectivement de sujet vraiment de travail. Ça peut être du partage, du soutien. C'est vrai que soutenir, et on en parlait lors du module 1, et Eric, il me semble, en avait parlé également, soutenir ses collègues, par exemple, qui étaient sur le terrain et qu'on ne pouvait rejoindre, ou qui étaient en première ligne, c'était également déjà un usage qui répondait à un besoin très fort, effectivement. Il y a Tiffen qui fait une remarque que je trouve intéressante, d'accompagner des personnes en souffrance lorsqu'on est à distance. Elle n'est pas une limite. Je pense qu'on va découvrir petit à petit les limites. Hein. Moi, c'est en utilisant l'outil que je découvre des limites. Je vous donne un exemple. Hier, j'avais un groupe de régulation. C'est vrai que c'est beaucoup plus difficile lorsque des personnes d'une équipe, des professionnels d'une équipe sont en difficulté, qu'ils ont à gérer des difficultés relationnelles de communication. Pour être tout à fait sincère, je trouve que c'est beaucoup plus difficile en visioconférence qu'en présentiel. J'ai ressenti moins un manque comme je sentais de la souffrance et que je sentais que les gens étaient en difficulté du fait de ne pas être là. J'ai trouvé que c'était une séance un peu compliquée pour moi, en tout cas à gérer. Ça s'est fait, hein, ça s'est fait. Alors après, sur un plan individuel, il y a beaucoup d'aujourd'hui de séances de psy ou par téléphone ou en visio. Et ça fonctionne très, très bien. Ça fonctionne très, très bien. Je regarde encore vos différents témoignages. Il y en a beaucoup. Je ne sais pas si on pourra tous les traiter, mais en tout cas, là, je vois Aurélie qui nous dit qu'en crèche, des EJE témoignent du lien conservé et du soutien à la parentalité pendant le confinement. Désolé pour les acronymes, je ne les maîtrise pas tous. Également Sabine qui nous dit plusieurs équipes de bénévoles ont organisé des groupes de parole via Teams. Expérience plutôt satisfaisante pour la plupart, sauf peut-être pour des bénévoles un peu plus âgés. Donc effectivement, c'est vrai qu'il peut y avoir cette limite justement. On en parlait dans le module 1, dans les limites. Ça implique le savoir-faire justement d'utilisation de ces outils. Donc, ça nécessite peut-être un accompagnement des personnes de nos aînés, peut-être pour les amener un peu plus, et c'est ce qu'ont organisé certaines maisons de retraite, pour les amener un peu plus vers ce lien créé sans devoir justement passer par toute la technique ces éléments. Je vois justement, je vois Sylvie qui, dans le même sens, hein, bonjour Sylvie, que je reconnais, que fait-on de la fracture numérique ? Il y a des personnes qui ne peuvent pas accéder à la visio alors que ce serait vraiment important du point de vue du lien social. Eh bien oui, je crois qu'on va avoir un gros boulot à faire pour rendre disponible cet outil au plus grand nombre, quoi. Mais encore une fois, le danger, vous voyez, je suis partagé. Quand il n'y a pas de possibilité d'aller à la rencontre des personnes âgées autre que par cet outil, il faut le faire par cet outil. Mais attention de ne pas se dire comme je l'ai eu en visio, je vais me passer d'une visite. Ça va être la limite de l'outil. Tout à fait, effectivement. Je vois également donc Fédération de centres sociaux qui organisait des rencontres entre structures et par secteur. Également donc Mo qui nous dit je constate que la vision permet
que la visio, pardon, permet de nouvelles prises de parole ou interventions grâce au chat, notamment, qui n'auraient pas existé en présentiel. Effectivement, ça peut peut-être aider des personnes qui, en présentiel, n'auraient pas osé prendre la parole à s'exprimer malgré tout par l'écrit, mais en tout cas en direct et pour rebondir à certains échanges. Donc, et Alix qui nous dit effectivement partager des apéritifs virtuels pour réunir dans la convivialité. C'est vrai que ça a été un usage qui a été largement relayé pendant le confinement et ça a eu du bon, effectivement, parfois, d'avoir des moments de détente grâce à cet outil. Patricia qui nous dit « J'ai pu mettre en lien les PSH engagés dans l'association Nous aussi 84 avec les autres délégations dans toute la France. » Jacqueline qui nous dit que dans son centre social, il y a eu des réunions de bureau et de conseil d'administration, par exemple, en visio. Donc ensuite, on a quelques petites questions également. Oui. Il y a Sabrina qui dit « J'ai fait beaucoup d'accompagnement. » Bonjour Sabrina. « J'ai fait beaucoup d'accompagnement individuel pendant le confinement, c'est satisfaisant. Mais il faut apprendre à gérer la temporalité et le rythme. Par exemple, les silences qui sont plus courts, on raccourcit parfois le temps, alors que cela ne serait pas le cas en présentiel. » Effectivement, hein, ça me fait penser, on a mis en place pendant la période du confinement des contacts pour des femmes ayant connu des violences et accueillies dans un foyer, des accompagnements psy. Et en fait, on a fait ce constat que les travailleurs sociaux ont pu me dire que ces femmes, souvent, elles étaient sollicitées, on leur disait « allez voir un psy », etc., et qu'elles n'avaient jamais fait la démarche. Et le fait de passer par cet outil étrange, alors peut-être parce qu'il ne fallait pas se rendre chez les psy, etc., elles ont profité de ce qui était offert pour avoir des accompagnements. Donc, c'est vrai que ça va avoir des incidences sur notre manière, dans le style, dans la manière de mener la séance. Mais j'en parlerai tout à l'heure avec le GAP. Ça va avoir une incidence. Il va falloir s'adapter à l'outil. Et je rappellerai aussi tout à l'heure dans les bonnes pratiques, effectivement, l'importance du temps, justement, de parole de chacun. Et c'est vrai que c'est très important, notamment en visioconférence. Je vais répondre à la question de Muriel, justement. Alors, je vois qu'il y a également des questions dans le module questions-réponses. Je vais répondre à la question de Muriel, donc, qui souhaitait savoir la différence, donc connaître la différence, pardon, entre visioconférence et webinaire. Donc, je l'ai dit juste dans la première partie. Donc, finalement, la visioconférence, ça va plus être le moyen de communication qui va pouvoir prendre la forme d'une réunion, d'une conférence, comme son nom l'indique, ou même d'un webinaire. Et le webinaire, dans ce format, est vraiment s'apparente donc à une intervention d'un expert, par exemple, sur un sujet, dans le cadre d'une formation, dans le cadre d'une conférence. Ça peut être vraiment le webinaire, c'est ça. C'est vraiment assister donc à la présentation d'une expertise, de connaissances, et donc un ensemble de participants qui vont pouvoir poser des questions, avoir des questions-réponses justement, exactement comme ce qu'on fait aujourd'hui, en tout cas Muriel. Et je m'arrêterai juste sur le témoignage donc du centre socio-orthèse qui nous dit effectivement que la visio lui permet d'avoir accès à nos formations, en tout cas à celle-ci, sinon pas possible pour cette personne, et donc c'est un grand plus pour elle. Donc, eh bien, merci. Pour les autres témoignages, on les reprendra peut-être juste après. On va avancer un petit peu sur justement la mise en place par Epsilon Media durant le confinement des gaps à distance. Alors, comme j'avais pu le dire lors du premier module, on n'avait jamais mené de gaps à distance. Ça s'est mis en place très, très vite. J'ai envie de dire que 15 jours après le début du confinement, on a mis en place le premier groupe et on a essayé entre pairs de se rencontrer par visioconférence pour échanger sur justement cette animation de groupe. Hein. Quelles étaient les limites, quelles étaient les difficultés, qu'est-ce qui changeait dans notre manière d'animer entre la visioconférence et la visioconférence et le présentiel, pardon. Alors, justement, il y avait Fanny qui posait une question tout à l'heure qui nous mène au cœur du sujet, quoi. Hein. Quel est l'impact de participer d'analyse des pratiques depuis son logement personnel? C'est vrai que c'était étonnant de voir, d'être en analyse de pratique et puis la porte, je pense à une situation, la porte qui s'ouvre et il y a le mari qui passe la tête, où on entend dans la pièce à côté les enfants qui crient, où on voit le chat qui passe devant, voilà. Donc, c'est vrai que certains ont pu exprimer la difficulté
que le professionnel et le personnel, la frontière, elle était largement dépassée. Donc, c'est pas simple. C'est une des limites, selon moi. C'est une des limites. Fanny demandait aussi sur la question des émotions. Eh ben, moi, j'ai été très étonné dans l'animation des groupes de voir des gens qui, en présentiel, ne prenaient pas beaucoup la parole. Et le fait que ça se passe en visioconférence, très étonnamment, ils prenaient davantage la parole. Et je peux vous dire que pendant toutes ces semaines où les travailleurs sociaux et les responsables d'établissements ont vécu des moments très difficiles, très rudes, hein, j'ai vu une grande sincérité s'exprimer et les gens ont pu, en toute liberté, vraiment pu exprimer leurs émotions et peut-être même davantage encore qu'en présentiel. Parce que le fait peut-être d'être seul, on est avec les autres, mais on est seul chez soi, j'ai du mal à me l'expliquer. Mais j'ai senti une grande liberté par rapport à la possibilité d'exprimer ses émotions. Pour l'animateur, bien sûr, ça change un certain nombre de choses. Il faut une très, très, très grande présence. Il faut être très attentif au visage. D'où dans la présentation de l'écran, moi, je mets tous les visages sur mon écran. J'essaye d'être très, très attentif à la communication non verbale. Et autre constat qu'on a pu faire, c'est impressionnant comme les personnes respectent les temps de parole. Et du coup, j'ai trouvé que ça pouvait être un plus. Il y a des gens qui exposent leur situation. Et en général, les personnes qui écoutent laissent la personne déployer la situation pour ensuite poser des questions ou faire une proposition de lecture, d'interprétation. Donc, voilà des avantages que j'ai pu trouver dans l'animation des groupes d'analyse du pratique. Alors, il y a des questions qui peuvent se poser, hein. Forcément, on va les poser au fur et à mesure. C'est la question, par exemple, de la confidentialité. Moi, je pense que toute relation humaine, elle se fait sous forme de contrat. Il y a un contrat de départ. Hein. Il y a un contrat de départ, c'est de dire on se réunit pour évoquer des situations, on a un devoir de confidentialité. J'attends de mes interlocuteurs qui respectent cette confidentialité. Voilà, j'ai pas de rencontrer de soucis ou de craintes par rapport à ça. En tout cas, personnellement, j'ai pas. Alors, on me demande qu'est-ce qu'un gap, hein, excusez pour la corderie. C'est groupe d'analyse de la pratique. On appelle ça aussi supervision. Hein. C'est ce qui réunit des professionnels pour évoquer des situations professionnelles, en général posant un peu difficulté, pour pouvoir, par l'intelligence collective du groupe, échanger sur cette situation et donner des éclairages à la personne qui présente la situation. Question très, je vois qu'il y a des animateurs de groupes d'analyse pratique. Il y a Brigitte. En analyse des pratiques, en présentiel, il y a souvent un long silence au début de la visio. Non. Non, bon, elle y répond. Moi, j'ai pas rencontré ça. Au contraire, je trouve que parfois ça démarre beaucoup plus vite, merci, parce que je n'ai pas pensé, mais ça démarre beaucoup plus vite qu'en présentiel, en fonction des groupes, bien évidemment, mais voilà. Il y a quelqu'un qui dit « j'étais sceptique du gap en visio, mais cela m'a beaucoup apporté à remuer du lien entre les cas ». Effectivement, j'ai fait ce constat-là. Oui, visio et écran, des inhibiteurs, oui, effectivement. Ça peut l'être, comme la lettre hier, comme la correspondance. On peut dire, on ose peut-être plus de choses. Voilà ce qui me paraît essentiel de dire pour l'instant sur les gaps. Sébastien. Très bien. Merci Eric. D'ailleurs, pour faire suite justement à ce sujet des gaps à distance, sachez que Epsilon Media a créé une petite vidéo justement de retour d'expérience. Eric a co-animé cette vidéo avec Marie et Sonia également d'Epsilon Media, et ils ont fait un débrief en fait, donc tous ensemble, ils l'ont fait en visioconférence justement, et ils ont débriefé ensemble de leur pratique, des groupes d'analyse de la pratique à distance pendant le confinement. Ils racontaient justement quelques expériences vécues, et cela est disponible donc dans une vidéo que vous trouverez sur la chaîne Epsilon Media, la chaîne YouTube. Donc, ça pourra peut-être venir compléter ce qui a été dit et justement partagé sur ce point. On va avancer un petit peu, il y a énormément de questions et de réactions, on va essayer de les traiter un peu au fur et à mesure, et là on va avancer justement sur les bonnes pratiques. Donc les bonnes pratiques, c'est vraiment
Par rapport à l'usage hein, dont on a parlé tout à l'heure, qui est plus justement pourquoi utiliser la visio, les bonnes pratiques, c'est comment l'utiliser. Comment bien l'utiliser pour faire en sorte que ça soit le plus efficace possible. Et on l'a vu, il y a beaucoup justement de questions, de doutes qui se soulèvent par rapport à l'usage qui peut être fait, à la pratique de cet outil de communication. On l'a vu notamment par rapport au temps de parole, par rapport au silence, au visuel, etc. Donc, qu'est-ce qu'on peut mettre en place en tout cas pour faire en sorte que ça se passe du mieux possible et presque sans encombre? Évidemment, il y a toujours des limites et on les a évoquées au module 1, mais on va essayer de regarder comment se prémunir en tout cas pour faire en sorte que ça se passe du mieux possible. Donc, vous le verrez, ces slides, au final, il y a beaucoup de textes, mais ça vous permettra peut-être justement, et on me l'avait demandé pendant le module 1, de faire des captures d'écran et peut-être que ça vous serve de pense-bête et pourquoi pas justement le distribuer bien auprès de vos équipes, auprès de vos collègues. Ça pourra peut-être justement aider tout le monde à faire en sorte que vos visios se passent du mieux possible. Avant la visio, donc, quelles sont les bonnes pratiques qu'on va pouvoir mettre en place? Déjà, ça va être de télécharger, si ce n'est pas déjà fait, en tout cas, si une visioconférence est prévue et que vous n'êtes pas encore utilisateur ou que vos invités ne sont pas encore utilisateurs d'un outil tel que Zoom, c'est un exemple, pour lequel justement il y a un programme à télécharger, en tout cas la plupart du temps, eh bien, pensez à bien soit vous télécharger le programme, soit préciser à vos invités, il y a un programme à télécharger, merci de le télécharger eh bien, en amont, comme ça au moins ça vous évitera les retards de dernière minute où on se rend compte qu'il y a un logiciel à télécharger ou à mettre à jour. Et c'est pour ça que je vous note également que les solutions qui ont un accès web directement donc dans votre navigateur, eh bien permettent justement se prémunir de ces quelques actions en tout cas à faire juste avant de pouvoir utiliser la visio. Dominique nous demande si c'est payant. Alors non, l'outil à télécharger Zoom ou les autres solutions de visioconférence. Donc vous le verrez peut-être si vous regardez le replay du module 1, Dominique. Vous verrez qu'il y a tout un comparatif justement sur les outils. Tous ont des formules gratuites. Donc a priori, vous pourrez assister en tant qu'invité en tout cas à des visioconférences, voire même parfois en organiser gratuitement. Et l'outil en tout cas à télécharger, le programme est vraiment pas payant. Ce qui est payant, ça va être les formules en fait avec des options supplémentaires ou pour vous permettre d'accéder à certaines fonctionnalités. Vérifier votre connexion internet. Alors là, je vous donne un outil, c'est speedtest.net. Donc, si vous le lancez, vous pouvez le faire à tout moment, hein, pas seulement dans le cadre de la visioconférence, mais le faire va vous permettre de mesurer le débit. En fait, dans votre connexion internet, il y a deux débits. Il y a un débit descendant et un débit montant. C'est-à-dire en fait un débit pour recevoir les données et un débit pour envoyer les données. Idéalement, pour faire simple, il faut avoir le meilleur débit en fait dans les deux sens. Cet outil va vous permettre justement de mesurer, donc ça vous donne un chiffre en méga, MB, par seconde. Cet outil va vous permettre justement de mesurer votre connexion, tester à différents endroits, si vous êtes en Wi-Fi, différents endroits de votre logement ou de votre bureau, pour voir s'il y a un endroit où vous avez une meilleure réception. Tester également, pourquoi pas, de fermer tous les programmes, par exemple, sur votre ordinateur ou les sites qui consomment de la bande passante. Donc, ça peut être, par exemple, les onglets de votre navigateur. Donc, si vous utilisez Firefox, Google Chrome ou Internet Explorer, vous avez peut-être plusieurs onglets ouverts. Sachez que les onglets, non seulement utilisent de la mémoire de votre ordinateur ou de votre Mac, donc qui va être un peu plus lent pendant ce moment-là, mais également du débit Internet. Donc, veillez justement à ne garder que les onglets vraiment essentiels à votre visioconférence. Quand je parle de programme également, ça peut être tous les programmes de chargement, téléchargement. Si vous envoyez un WeTransfer, si vous téléchargez un WeTransfer, ça vous prend par exemple de la bande passante. Si vous avez comme moi un logiciel qui est connecté à votre Drive pour synchroniser vos fichiers, par exemple sur un espace partagé ou un cloud, sachez que ça utilise votre bande passante. Ou encore tout les programmes ou les sites de vidéos, YouTube, Netflix. Donc là, évidemment, ça peut paraître évident, je vais dire, de couper ces outils lorsqu'on fait une visioconférence. Sachez que votre connexion, vous la partagez très probablement au sein de votre foyer ou de votre lieu de travail avec tous les autres utilisateurs de ces lieux. Donc, veillez justement à s'assurer que tous les autres utilisateurs, en tout cas dans la mesure du possible, n'utilisent pas
des programmes ou des sites qui soient trop chronophages, enfin trop gourmands, je veux dire, pardon, en connexion. Également, tester donc de vous déplacer par rapport à votre box Wi-Fi. Est-ce que vous en êtes proche ou plutôt éloigné? Est-ce que vous avez des murs porteurs, par exemple, qui vous séparent de votre box et qui peuvent réduire la portée du signal? Est-ce qu'il n'y a pas trop de rebond, hein? Le signal se déplace de façon uniforme dans toutes les, qui est multidirectionnel, donc dans toutes les directions. Est-ce qu'il n'y a pas trop de cloisons ou de murs qui vous séparent de la box? Testez, pourquoi pas, une connexion filaire, c'est-à-dire que votre box, vous avez forcément donc des câbles qui vous permettent d'y être relié normalement en direct sur votre ordinateur ou votre Mac. Tester de vous connecter en filaire vous permettra d'avoir une meilleure réception. Et refaites le test de connexion justement de votre vitesse avec speedtest.net après avoir essayé d'optimiser justement le câble, votre position par rapport au Wi-Fi. Est-ce qu'il n'y a pas aussi, par exemple, des appareils qui communiquent, je vais dire, sans fil à proximité de votre box et qui pourraient justement perturber le signal Wi-Fi? Je vois Céline qui demande: connexion en Wi-Fi est moins performante que le câble, avoir la fibre est mieux que la connexion. Alors, oui, effectivement, donc la fibre, c'est effectivement ce qu'il y a de mieux pour votre connexion Internet. Malheureusement, on n'en est pas tous équipés aujourd'hui. Donc, effectivement, on est très nombreux, je pense, à avoir plutôt une box classique. Et la box classique, effectivement, alors la connexion câble, si vous voulez, par rapport au Wi-Fi, aura cet avantage de ne pas avoir de perturbations, justement, dans la connexion Internet, dans le signal que vous allez recevoir, et il sera beaucoup plus stable. Donc, faites le test justement en Wi-Fi et en câble et testez votre connexion. Voyez ce qui est le plus efficace pour vous. Et la fibre tue les abeilles, inutile le centre socio-orthèse. C'est pas impossible, effectivement. Donc, il peut y avoir effectivement des considérations environnementales à l'usage de tous ces outils, mais tout comme Internet, utiliser de la bande passante, de l'espace sur Internet avec des vidéos, etc. Ce sont d'autres éléments effectivement qui sont très gourmands, malheureusement, en ressources. Également, donc préparer sa webcam, ça peut paraître anodin, mais faire des tests justement de bonne connexion de votre webcam. Est-ce que ma webcam fonctionne bien? Est-ce que j'y ai accès? On a souvent des problèmes et ça marche également. D'ailleurs, c'est pareil pour les micros. Très souvent, on ne se voit pas, on ne s'entend pas. Il faut procéder à des réglages. Eh bien, faire un test en amont va vous permettre, donc par exemple avec un ami ou avec un invité, pourquoi pas, qui est prévu dans votre visioconférence. Faites un test, une visioconférence test avec une personne pour justement voir si vous avez facilement accès à votre micro ou avec vos écouteurs. Est-ce que vous vous entendez bien? Est-ce que on vous entend bien? Est-ce que votre webcam fonctionne? Est-ce que vous y avez accès? Est-ce qu'il n'y a pas justement un problème de connexion? Est-ce que l'outil, que ça soit Zoom ou n'importe quel autre outil justement de visioconférence, est-ce que vous avez bien autorisé ces différents outils dans votre navigateur à accéder à votre micro, à accéder à votre caméra? C'est en général lors de la première connexion à ces outils que la question est posée par le navigateur. Mais vérifiez que tout fonctionne bien. Et si ce n'est pas le cas, prévoyez peut-être justement de mettre à jour. Bon, après, je vais pas m'étendre sur la technique, mais de mettre à jour vos différents pilotes, de redémarrer votre ordinateur. Voilà, d'avoir cette d'essayer de relancer un petit peu la machine entre guillemets pour avoir, si possible, de meilleurs résultats. Également, pour toujours la caméra, orienter la caméra du mieux possible et faire attention au cadrage. C'est vrai qu'on a tous eu le cas où eh bien, la caméra est peut-être déplacée par rapport à l'écran, si c'est une webcam qui est liée en USB, par exemple, à votre ordinateur, et les personnes sont de profil, où on ne voit que le menton ou que le front. Donc, voilà, bien vérifier son cadrage, bien se positionner, c'est important pour justement faire en sorte qu'il y a un usage le plus agréable possible pour vos interlocuteurs. Anticiper le cadre, c'est-à-dire sur quel fond vais-je me positionner pour ma visioconférence. Est-ce que je ne suis pas justement sur un fond qui est trop agressif en termes de couleur? Est-ce qu'il n'y a pas, ou trop sombre peut-être aussi? Est-ce que je vais utiliser un fond réel ou virtuel? On en parlait dans le module 1.
Notamment, donc, les différents outils vous permettent d'afficher un fond virtuel. Pardon, si vous voulez, pardon, afficher, par exemple, un fond virtuel pour ne pas dévoiler bien l'arrière-plan qui se trouve, par exemple, dans votre domicile. Faites des tests également en amont pour voir déjà bien lequel choisir et ensuite de voir si tout se passe bien, si ça ne ralentit pas également votre connexion, pourquoi pas. On a un commentaire qui nous dit justement sur Teams, pas possible d'avoir de décor si on passe par le web, dommage. Effectivement, oui, c'est peut-être y a peut-être des limites. Là, c'est dans le cadre justement où votre outil vous permet d'avoir un fond virtuel. Et donc Cécile qui nous dit faire les tests en amont, effectivement c'est important, sinon en dernière minute c'est déstabilisant. Et oui, tout à fait, j'en parle justement dans les bonnes pratiques qui arrivent, cette notion de timing, de test en amont, c'est extrêmement important. Vous mettre dans un endroit le plus lumineux possible, mais attention au contre-jour, si la lumière vient de derrière vous, justement, qui est face à la caméra, votre visage va apparaître très sombre, on ne va pas vous voir. Si vous êtes face lumière, c'est beaucoup mieux, mais pas en lumière directe avec le soleil, sinon déjà vous allez être ébloui, et en plus, vous allez vraiment apparaître de façon trop claire à l'écran. Alors, on rentre plus dans le détail, mais si c'est vraiment si on veut être à un très bon niveau de visioconférence, évitez par exemple les vêtements blancs, noirs, à pois ou à rayures. C'est à l'écran, en fait, vous allez voir que ça peut très facilement, notamment pour les pois et rayures, pardon, apparaître assez mal finalement à l'écran. Vous allez voir que ça crée des vagues justement sur vos vêtements, encore plus pour les rayures. Et les vêtements blancs et noirs, eh bien, tout simplement pour ne pas justement ternir ou trop éclaircir justement votre teint, donc si vous voulez apparaître sous votre meilleur jour. Alors oui, j'ai oui. Eh bien, vous savez que les cordonniers sont les plus mal chaussés, donc c'est le centre socio-orthèse qui me dit justement que j'ai mis du noir. Alors, c'est du bleu marine, mais effectivement, ça, pour vous, ça peut apparaître comme du noir, effectivement. Essayez d'éviter, effectivement. Waka Conseil qui nous demande, ah bon, il faut éviter les fonds noirs. Je parle vraiment des vêtements. Après, pour le fond, choisissez le fond qui en tout cas pour vous lorsque vous filmez qui a le meilleur rendu possible sur votre image qui est rendue par votre caméra. Essayez de varier, peut-être que vous apparaîtrez plus visible, bien plus comment dire que vos expressions soient aussi bien visibles si vous changez de fond, pourquoi pas, ou si vous changez d'exposition à la lumière. Et je vous mets une astuce, donc c'est de privilégier justement le bleu, donc pas le bleu marine, mais le bleu ou le vert, qui sont des couleurs plus apaisantes. Et c'est vrai que quand on a des visios qui ont tendance à être prévus justement sur un fond, sur une certaine durée, il faut pouvoir essayer de ne pas trop fatiguer donc visuellement les personnes qui doivent suivre la visioconférence pendant un certain temps. Et Waka nous dit effectivement pour les webinaires en langue des signes française, il est au contraire conseillé de mettre le fond noir pour augmenter le contraste entre les mains et le fond. Oui, effectivement, là je vous donne pour le coup des conseils très génériques. Dans votre cas, effectivement, c'est tout à fait pertinent et logique d'avoir un fond noir, tout à fait. Alors ensuite, optez par exemple pour un endroit calme et isolé, sans bruit extérieur, en tout cas le plus possible. Attention aux animaux et aux enfants. Oui, animaux, enfants ou bruit même extérieur, hein, donc de la rue, si votre fenêtre est ouverte ou si vous êtes bien proche d'un lieu de passage, ça peut facilement s'entendre au micro. Donc le plus possible, si vous pouvez vous isoler, ou une tondeuse, pourquoi pas, comme nous le dit Dominique, effectivement. C'est toujours mieux d'être le plus isolé possible. Effectivement, en plus des bruits qui, nous, en direct, donc chez vous, eh bien, vont vous paraître plutôt anodins ou pas tellement perceptibles ou pas tellement dérangeants, peuvent vite, justement, par le micro et l'intermédiaire de la visioconférence, devenir vraiment très compliqués et très désagréables pour vos interlocuteurs. Également, et ça, je vous le disais, pour essayer d'avoir assez peu de problèmes, je veux dire, à la connexion de vos invités, c'est de fournir des instructions claires pour qu'ils puissent se connecter. Si besoin de télécharger un programme, le signaler.
si besoin justement par exemple, faire en sorte que tous vos invités puissent se connecter, eh bien de donner les liens d'accès ou la possibilité de se connecter par téléphone également. Donc vraiment bien fournir toutes ces consignes-là pour être sûr qu'il n'y ait pas de problème en amont. Et bien sûr, encore une fois, hein, faire un test avec un ou plusieurs invités si possible, ça vous permettra justement de procéder au dernier réglage. Donc, je vois beaucoup de réactions. Alors, je vais essayer de reprendre un petit peu toutes les questions d'équilibre, bien sûr, nous dit Cécile, tout comme sur les plateaux TV, selon le décor et autres, comme le maquillage, bien sûr. Effectivement, il faut essayer d'être le plus neutre possible pour ne pas avoir d'éléments trop perturbants à la caméra. Alors Dominique nous demande comment faire au mieux pour la prise de notes lorsque l'on anime. Eh bien ça peut être assez compliqué. Alors pour la prise de notes, alors sachez qu'il y a des programmes de transcription qui peuvent peut-être vous aider. J'ai notamment en tête Spoke, qui est un programme. Alors il me semble qu'il est gratuit d'ailleurs, dans lequel, mais ça marcherait plus, je pense, pour du replay. Donc si vous enregistrez par exemple votre visioconférence, déjà si vous l'enregistrez, vous allez pouvoir revenir dessus, donc ça peut être une première astuce. Deuxièmement, il y a Spoke sur lequel vous allez pouvoir charger une vidéo et qui vous donne les sous-titres immédiatement, donc vous allez peut-être pouvoir justement récupérer le texte justement de vos visioconférences. Sinon pour la prise de notes lorsque vous animez, effectivement ça risque d'être un peu plus compliqué. À ce moment-là, demandez peut-être. Alors, c'est vrai que si vous êtes en réunion et que les personnes, eh bien, réagissent à l'oral, ça risque d'être un peu plus compliqué pour vous. Waka Conseil nous dit Google Transcription peut être pratique pour transcrire et faciliter la prise de notes. Donc voilà, merci du conseil. Ça peut être un outil supplémentaire peut-être pour vous aider, Dominique. Géraldine nous dit donc s'isoler pour être ensemble. Oui. Effectivement. Alors, finalement, si vous êtes en visioconférence, vous êtes déjà plus ou moins isolé. Donc, s'isoler encore plus vous permettra de profiter au mieux des personnes qui sont à distance. Effectivement, c'est un petit paradoxe, mais il y en a eu beaucoup avec le confinement et la visio, c'est sûr. Waka Conseil nous dit donc pour les webinaires, en langue des signes, on coupe le son, effectivement, donc il n'y aura pas pour ces bonnes pratiques, effectivement, les bruits ne seront pas une gêne. Cécile nous dit il est effectivement important donc de préparer son espace, l'environnement, la lumière, le bruit pour être à l'aise. Tout à fait. Judicaël nous dit pour la prise de notes, j'ai deux écrans, l'un pour voir les personnes et l'autre pour noter, c'est super. Oui, effectivement, ça peut être. Après, il faut pouvoir justement jongler entre les deux, un peu comme on le fait d'ailleurs aujourd'hui, entre la formation, la présentation, je vais dire, et puis bien lire vos commentaires, pourquoi pas, et rebondir dessus. Donc, effectivement, si vous avez deux écrans, ça peut être une façon de vraiment faciliter ce travail-là. Je vais avancer maintenant sur les bonnes pratiques. Donc, oui, et évidemment, donc, si vous pouvez, donnez rendez-vous à vos participants, justement, à vos invités, 5 à 15 minutes avant le début effectif de votre réunion. Ça permettra justement eh bien, aux dernières personnes d'arriver et puis aux personnes qui rencontreraient des problèmes eh bien, de pouvoir les régler dans ce temps. On va passer aux bonnes pratiques pendant la visioconférence et ensuite on reviendra bien sûr sur vos réactions. Pendant la visioconférence et juste avant le début, juste avant de démarrer, bien penser à couper son téléphone ou les notifications, à bloquer les alertes, par exemple, et que ça soit d'ailleurs pour les notifications ou alertes sur votre téléphone ou sur votre ordinateur. Très souvent, j'ai eu le cas en visio de personnes qui avaient, vous savez, la fameuse cloche qui retentit lorsque on reçoit une notification sur son ordinateur. Moi-même, au début de la formation, j'avais mon téléphone qui m'affichait des notifications. Ça m'a perturbé. Donc, vraiment, c'est des bonnes pratiques qu'on connaît puisqu'on vous les présente et pourtant, il faut quand même se les rappeler à chaque fois. Bien penser, c'est important pour vos interlocuteurs. Également, commencer. Donc, si les participants ne se connaissent pas encore, ça peut être intéressant de commencer par un tour de table pour se présenter. Lorsque vous êtes tous justement à l'écran, tous se présenter, c'est une façon de rentrer dans la visioconférence, déjà de tester aussi les micros des uns des autres, et si vous n'avez pas pu le faire en amont, par exemple. Et aussi, c'est une façon, donc, pour les personnes qui ne connaissent pas les autres personnes présentes, bien déjà d'apprendre à les connaître, et ensuite de se lancer dans la conversation. Si vous ne faites pas ça, elle risque de ne pas oser par la suite dans le déroulé de la visio
elle risque de ne pas oser prendre la parole et ça peut justement être un frein pour elle. Désigner si nécessaire s'il n'y a pas un animateur ou un modérateur de prévu ou en tout cas qui dirige cette visioconférence. Désigner un animateur ou un modérateur, ça va vous permettre notamment par rapport à l'ordre du jour qui aura été fixé en amont, d'organiser les différents temps de la réunion, par exemple le programme, pourquoi pas associer un timing, ça vous permettra justement de bien distribuer la parole à différents moments, de synthétiser pourquoi pas l'objet et de ce qui aura été échangé justement pendant votre visioconférence. Ça peut être une personne en plus de l'organisateur de la visioconférence pour tout simplement justement s'occuper notamment de synthétiser, de prendre les notes. C'est ce qu'on disait tout à l'heure justement sur la nécessité de prendre les notes en même temps que de présenter. En tant que participant, signifiez justement clairement à l'animateur votre souhait de prendre la parole. Il y a la fonction lever la main, on l'avait vu sur Zoom dans le module 1, utiliser le chat, le cas échéant, ou si vous êtes justement en visio avec la vidéo, donc pas en webinaire comme aujourd'hui, eh bien, faites signe, l'animateur pourra vous voir et justement voir que vous voulez rebondir comme en présentiel et justement vous donner la parole. Il y a des freins justement à la visio, on l'avait vu, eh bien, une façon justement de gommer un petit peu ces limites, eh bien, ça va être d'utiliser la visio comme si on était, en tout cas le plus possible, comme si on était dans une même pièce. Être clair et concis dans ses prises de parole. Si vous avez peu de temps et qu'il y a beaucoup d'intervenants, beaucoup d'échanges, et sachant que on ne peut pas tous parler en même temps dans la visio, sinon ça devient incompréhensible, eh bien, soyez le plus clair et concis possible pour pouvoir passer la parole plus rapidement et que tout le monde puisse exprimer son idée clairement. Vous pouvez, pourquoi pas, désigner un maître du temps. Le maître du temps, par rapport à l'animateur, va uniquement s'occuper de vérifier que par rapport à l'ordre du jour et au plan de votre échange, le timing prévu est respecté. Et pourquoi pas faire une pause. Alors, on ne le fait pas ici parce que c'est vrai qu'on peut être limité par le temps, mais en tout cas, recommandation de faire une pause, par exemple, tous les 3/4 d'heure ou 1 heure, et essayer de ne pas dépasser 2 heures de visio d'affilée, en tout cas sans une belle pause entre deux, pour préserver un bon niveau de concentration. On l'a déjà évoqué et on s'en rend pas forcément compte, mais assister à une visio pendant un certain temps est beaucoup plus, exigeant en termes d'énergie, de concentration, surtout lorsque vous êtes par exemple animateur, vous devez prendre connaissance des retours des uns des autres, rebondir dessus. Ça enchaîne justement dans la présentation et ça peut être très très fatigant. Donc n'hésitez pas à reposer votre cerveau. Vous pouvez très bien dire. Nous prenons 5 minutes de pause, chacun va respirer et puis vous revenez justement devant votre visio que vous n'aurez pas quitté. Ça vous permettra à tous de repartir dans une nouvelle énergie. Concernant donc tous les aspects sonores, donc prendre en compte les bruits anodins, c'est ce que je vous disais tout à l'heure en présentiel, on parlait des bruits extérieurs, mais en fait il y a des petits bruits qui peuvent être vraiment très peu perceptibles finalement en direct. Pourtant, lorsque vous êtes en visio, sur votre bureau, si vous avez des bracelets ou des montres, lorsque vous posez les mains sur le bureau, si votre micro est à proximité, des coups sonores qui sont vraiment très perceptibles lorsque vous êtes en visio. Notamment, encore plus, si vous n'utilisez pas de micro. Donc, ça veut dire que si vous êtes directement via le micro intégré à votre ordinateur, il y a beaucoup plus de résonance dans la pièce. Donc, le moindre claquement, comme justement un bracelet ou une montre sur un bureau, est vraiment amplifié. Le clavier, quand on prend des notes, oui, encore plus. Et moi, j'ai l'exemple de 2 claviers devant moi, un qui fait beaucoup de bruit et un qui est très peu perceptible au niveau sonore. Et c'est vrai que c'est très compliqué de l'utiliser. On a envie de l'utiliser parce qu'on a envie de répondre vite, par exemple, à quelqu'un qui pose une question ou de prendre des notes. Et on se rend compte, en commençant à taper, que le son va vraiment être dérangeant pour les personnes qui sont avec nous en visio. Donc, très, très difficile, justement. Il faut vraiment faire attention à ça. Pourquoi pas couper votre micro pendant la prise de notes, mais ça vous obligerait justement à ne pas parler en même temps que écrire au clavier. Donc, voilà, savoir justement jongler entre les deux. Les stylos, c'est vrai que en tant que participant, si vous ne prenez pas la parole, coupez votre micro. Vous allez peut-être être tenté en écoutant, de jouer avec un stylo, avec le bouchon d'un stylo, et ça peut justement être, par exemple, perceptible pour les personnes qui prennent la parole. Céline nous dit « Difficile de gérer le temps en visio pour des réunions partenariales.
tout le monde parle et donne son avis, quelle stratégie opérer ? Liberté de parole pour tous. Tout à fait. Eh bien, dans ce cas-là, ça peut rejoindre justement l'ordre du jour qui a été prévu. Alors après, bien sûr, mais je veux dire, même en réunion classique présentielle, parfois, eh bien, ça déborde parce que on a le souhait justement de vraiment clôturer un sujet ou de donner la parole à tout le monde, et c'est important. Peut-être, alors, si vous savez ou si vous sentez que le sujet peut être, en tout cas, source de beaucoup d'échanges, peut-être prévoir deux sessions. Comme ça, vous avez peut-être une session qui va plus être focalisée sur le partage d'informations de votre part vers vos participants, et peut-être une session 2, un peu plus débat. Ça vous permettra peut-être de cadrer le temps et de que ça ne déborde pas trop, ou alors prévoir le temps nécessaire ou un ordre du jour, en tout cas avec une durée estimée, par exemple introduction 10 minutes, temps d'échange à la fin 45 minutes par exemple. Hein, c'est, eh bien, ça vous permettra peut-être de vous aider, en tout cas faire respecter le plus possible ce temps, tout en permettant à tout le monde, eh bien, de conclure et de donner son avis. Alors, quel est le numéro pour aujourd'hui? Alors, je suis désolé Didier, je ne l'ai pas sous la main. Je ne l'ai pas sous la main Didier, je suis désolé. Vous aurez le replay, la possibilité de partager éventuellement le replay. Prendre garde au mouvement de la caméra. Et c'est vrai que ça, on y pense assez peu, mais en général, votre webcam, alors, soit sera intégrée à votre ordinateur portable ou votre Mac, soit sera posée sur votre bureau. Et il peut y avoir beaucoup de vibrations, en fait, sur votre bureau. Moi, par exemple, là, elle est posée sur le haut, si vous voulez, de votre écran d'ordinateur portable. Si je bouge mon bureau, l'écran a tendance à vibrer, à bouger d'avant en arrière, la caméra va bouger. Et ça peut être assez désagréable justement pour les personnes qui sont en face de vous, ces vibrations, si elles sont continuelles, en tout cas dans votre intervention. Également, si vous utilisez un mobile, vous aurez tendance à beaucoup plus bouger votre main, votre bras. Si vous vous déplacez, ça peut être assez déstabilisant lorsqu'on vous regarde et qu'on vous voit tout le temps vous déplacer. Également, le déplacement de la caméra répétitif, donc hors mobile, mais si vous êtes sur votre ordinateur et que vous déplacez votre ordinateur de façon assez fréquente, ça peut être assez déstabilisant pour les personnes qui vont échanger avec vous. Regardez de temps à autre, effectivement, l'objectif de votre caméra. On parlait tout à l'heure de contact visuel. Eh bien, renouer régulièrement dans votre visio, et ça peut être assez compliqué lorsqu'on a une présentation, lorsqu'on lit des questions comme je le fais aujourd'hui, de temps à autre, regardez votre objectif, ça vous permet justement de renouer un lien visuel, un contact visuel avec les participants, donc de les réimpliquer une nouvelle fois dans l'échange. Pour le micro, eh bien, effectivement, lorsque vous ne prenez pas la parole et si vous êtes intervenant, eh bien, pensez à couper votre micro. Lorsque les autres personnes prennent la parole, ça vous permettra d'éviter, eh bien, les bruits involontaires ou même l'écho, les échos qui peuvent se produire durant ces temps-là. Utilisez pour ça, bien sûr, si possible, des écouteurs avec micro intégré ou un casque ou un micro donc qui peut se brancher en USB, par exemple. Je pense que ça doit être une dizaine d'euros environ. Eh bien, ça vous permettra justement d'éviter l'écho. Lorsque vous n'utilisez pas de micro ou un micro intégré à votre ordinateur, les sources d'écho peuvent être vraiment, vraiment dérangeantes. Contrôlez également l'activation et la désactivation du micro. Si vous coupez votre micro ou si vous ne le coupez pas justement lorsque vous prenez la parole ou lorsque vous passez la parole, vérifiez bien justement pour ne pas, eh bien, au moment où vous devrez reprendre la parole, que votre micro soit coupé et qu'on ne vous entende pas. A contrario, vous passez la parole, coupez bien le micro et contrôlez bien que le petit picto, justement, la petite indication que votre micro est coupé apparaisse avant, par exemple, d'échanger avec quelqu'un qui est dans la même pièce que vous ou avant de parler ou d'écrire sur votre clavier, justement. Et si vous avez donc, ça c'est mon dernier conseil justement en bonne pratique, si vous avez trop de difficultés en termes de connexion Internet, de micro, de caméra, n'hésitez pas à quitter et à revenir sur la visio. Parfois, ça peut régler un petit problème, un petit bug justement qui se serait produit durant la visio. N'hésitez pas à modifier votre connexion Internet. Vous êtes en Wi-Fi, le signal est mauvais. N'hésitez pas à quitter la visio. Pourquoi pas partager votre connexion, si possible, de votre smartphone, qui serait par exemple en 4G, et à revenir sur la visio. Vous aurez peut-être de meilleurs résultats. Enfin, n'hésitez pas, pourquoi pas, à relancer votre ordinateur si vraiment vous avez trop de problèmes et si il y a des
des problèmes techniques qui proviennent, n'hésitez pas à relancer votre ordinateur et à vous reconnecter à la visio. Si ça peut vous permettre de passer le temps restant de la visio dans de bonnes conditions, n'hésitez pas à le faire. Il faut pouvoir s'adapter et garder un maximum de souplesse. Voilà pour ces bonnes pratiques. Donc sur la structure, je vais dire théorique en tout cas de cet échange, nous avons terminé. Donc ce que je vous propose, c'est peut-être dans un premier temps d'arrêter le partage de l'écran et qu'on revienne ensemble sur vos différents témoignages et vos questions également. Ça nous permettra justement de traiter un maximum de ces éléments. Alors je vais essayer de. Eric, tu voulais prendre la parole. Ouais, bonjour Agnès. Voilà, Agnès dit certains participants de GAP refusent d'activer la caméra, d'autres sont en voiture ou sur leur lit. Quel pourrait être l'usage en la matière ? Je trouve c'est un des objectifs de cette formation. L'idée, c'est un outil nouveau qui rentre dans nos pratiques et je pense qu'il va falloir adopter des bonnes conduites. Et je pense qu'au fur et à mesure qu'on va développer ces pratiques, je pense qu'il y aura comme des sortes d'avertissements en début, mais comme dans présentiel, hein, on donne un cadre d'intervention. Et je pense qu'il va falloir, très prochainement, de donner un code de bonnes pratiques tel que l'a proposé Sébastien, mais aussi comportemental, voilà, pour avoir une certaine tenue. C'est-à-dire, j'appellerais ça la civilité, quoi. C'est pour ça qu'on est très sensible aussi aux aspects techniques. Moi, j'ai animé des groupes où les gens se baladaient avec leur téléphone partout, où il y avait du bruit, donc c'était insupportable pour tout le monde, etc. Et c'est pour ça que petit à petit, c'est ce qu'on appelle des savoir-vivre. On va devoir imposer, d'inviter les gens à se comporter correctement. Et comme le disait à un moment donné Géraldine, c'est vrai que la visio, elle peut désinhiber pour certains. À nous de faire un rappel à certains types de comportements. Enfin, voilà, je crois qu'il va falloir vraiment qu'on travaille là-dessus et qu'on exige un certain nombre de choses, quoi, de bons comportements. Tout à fait. Carole, donc, rappelle tout simplement qu'effectivement, c'est la même chose qu'en présentiel. Un respect de ses interlocuteurs, justement, ça passe par toutes ces règles, effectivement, d'échange en visio. Merci Carole, ça me fait penser à des choses partagées. Effectivement, il y a des règles de fonctionnement normalement dans des réunions à respecter et c'est la même chose avec les outils numériques. Tout à fait. Alors après, on a un témoignage justement d'une personne qui nous dit « Les étudiants sur Teams refusent de mettre leur caméra, c'est très frustrant car il n'y a plus de contact visuel. » Effectivement, c'est vrai que c'est difficile d'obliger les personnes à activer leur caméra. Néanmoins, ça fait partie des codes de la visioconférence et peut-être au maximum, comme disait Eric, sensibiliser les personnes en amont pour dire que c'est important dans le cadre de l'usage de cet outil. Sinon, une simple réunion téléphonique pourrait suffire. Mais que effectivement, ça ne remplace pas le présentiel. Mais si on veut qu'il le compense, en tout cas lorsqu'on est contraint de l'utiliser, si on veut qu'il le compense au maximum, eh bien, la visio, vraiment, c'est essentiel. Alors, je vois que Didier, justement, disait en conseil de prévoir le numéro de la visio. Ça peut être effectivement une bonne pratique. Merci, Didier. Je me le note pour la prochaine fois. Mais effectivement, non, c'est tout à fait. Mais c'est pour ça que même lorsque vous en animez beaucoup, peut-être qu'il y a des choses, justement, auxquelles on ne pense pas. Et nous-mêmes, on n'est pas… On est perfectibles tous sur ce sujet-là. Donc, il faut essayer justement de pratiquer et puis de faire en sorte, en tout cas, que ça se passe le mieux possible pour vos interlocuteurs. Peut-être juge-t-il inutile, la visio, nous dit le centre socio-Orthez. Ils ont rempli le tableau d'évaluation d'intérêt et il n'est peut-être pas positif chez eux. Oui, peut-être. Donc, si je comprends bien, c'est est-ce que ils ont besoin de se voir ou pas pour cet échange-là ? Oui, peut-être. Après, c'est vrai que là, on vous donne les bonnes pratiques et les usages de la visioconférence au sens visio justement avec la vidéo, puisque c'est ce qu'on a abordé aujourd'hui. Après, peut-être que vous allez utiliser un outil de visio, mais juste pour le son. Peut-être parce que vous avez une connexion trop faible. Et on l'a vu
notamment pendant le confinement, les connexions étaient très très faibles, perturbées par le contexte à ce moment-là. Eh bien, parfois, couper la vidéo, juste avoir le son, ça nous permettait de communiquer via Internet, sans utiliser le téléphone, parce qu'on n'avait peut-être pas aussi la possibilité de le faire à ce moment-là. Et puis, on avait quand même envie de partager son écran, ou en tout cas de s'écrire justement dans le chat à côté. Donc, il peut y avoir des alternatives. Et encore une fois, on rejoint la question de est-ce qu'il faut s'adapter à l'outil ou est-ce que c'est l'outil qui doit s'adapter à notre besoin ? Eh bien, dans ce cas-là, typiquement, vous adaptez l'outil à votre besoin. Si vous n'avez pas besoin de la vidéo, eh bien, et que vous avez quand même besoin de passer par cet outil-là en ligne, faites-le. Ensuite, Dominique nous dit « Difficile pour certains d'être confrontés à leur image, ce n'est pas simple pour tous. » Oui, effectivement. Et ça, c'est vrai que j'aurais pu le mettre dans les bonnes pratiques d'avant visio, c'est-à-dire lorsque vous n'avez pas forcément envie d'afficher votre vidéo, et ça peut se comprendre, chacun est libre à ce niveau-là. Et déjà, si ça peut vous permettre en tout cas d'échanger, si la réunion se passait en présentiel ou l'échange se passait en présentiel et que pour cette raison-là, vous n'auriez pas eu envie forcément d'y participer, si vous préférez être, n'avez pas envie d'afficher votre image, en tout cas par les moyens numériques, libre à vous. Et pourquoi à ce moment-là ne pas demander à l'animateur en amont, par mail tout simplement ou par échange, de lui dire, bah voilà, je ne souhaite pas afficher mon image, est-ce que c'est OK pour vous dans le cadre de cette réunion? Je pense que ce sera beaucoup plus sain dans les échanges de le demander en amont. Alors, j'essaie de reprendre un petit peu vos échanges. Alors, il m'est arrivé également de me retrouver avec 5 personnes sur 10 en réunion d'équipe sans vidéo, petit à petit. D'accord, donc oui, donc qui peut-être justement si sont mis peut-être petit à petit suivant la connexion, suivant bien peut-être là, on est peut-être aussi, je veux dire, un petit peu intimidé les premières durant les premiers usages de la visioconférence, peut-être le temps de s'adapter aussi. On s'adapte aussi, on adopte plutôt l'outil, chacun à sa propre vitesse et à son propre rythme. Donc effectivement, peut-être qu'il faut amener les personnes petit à petit à cet échange-là. Après, sans obligation aucune, bien sûr. Je vais peut-être répondre rapidement. Donc, je vois que dans le module questions-réponses, il y avait quelques questions. On va revenir dessus très rapidement pour au moins les traiter, puis on reviendra après sur les échanges du chat. Donc, Cécile nous disait « Je souhaite pouvoir préparer des enseignements en visioconférence pour les futurs travailleurs sociaux et leur permettre de maîtriser leurs compétences avec les nouveaux outils. » Il est temps de préparer la rentrée. Comment ? Pardon. Je ne sais pas, Eric, si tu as peut-être… Donc, sur la question de pouvoir préparer des enseignements en visioconférence pour les futurs travailleurs sociaux et leur permettre de maîtriser leurs compétences avec les nouveaux outils. Il est temps de préparer la rentrée. Comment ? En tout cas, je ne sais pas si j'ai tout compris la question, mais ce que je peux te dire, c'est qu'en tant que formateur, on va devoir renouveler sa formation. On va devoir apprendre à utiliser cet outil et en tant que formateur, on va devoir trouver des nouvelles formes de former. Ça, c'est évident. On a parlé tout à l'heure de la durée, c'est capital. Ça nous offre des avantages, on peut diffuser des vidéos, on peut diffuser des documents, ça offre beaucoup de possibilités. Mais voilà ce que je peux dire sur les formations, quoi. Il va falloir innover, inventer et se former à nouveau. C'est autre chose que le présentiel. Pour moi, c'est autre chose. On peut très bien imaginer qu'on aura des formateurs très à l'aise en visio et beaucoup moins en présentiel. Mais encore une fois, je pense que ça doit être des modules, des moments, mais ça ne peut pas être des formations à temps complet en visioconférence. On a quelques réactions sur la présence de la cigarette à l'écran. Eric, tu veux réagir? En fait, bonne pratique la cigarette. Exactement, on peut se poser la question. C'est pour ça que Sébastien est tous depuis tout à l'heure. Vous voyez, la visio, c'est vraiment très puissant. On peut vraiment
être incommodé On peut par être les à l'autre bout de la France et à l'autre et C'est être ça. incommodé. Mais ça peut être, effectivement, ça peut être, je me suis posé la question, rassurez-vous, ça pourrait déranger certains. Donc, je comprends. Tout à fait. Alors, je réponds d'abord à la question de Lucie. Y a-t-il un effectif de participants à ne pas dépasser pour faire une bonne visio? Alors, c'est vrai que la question se pose. J'ai vu beaucoup de cas où, lorsqu'il y avait des échanges prévus par donc vraiment visioconférence, hein, pas en webinaire comme aujourd'hui, mais visioconférence, eh bien tout simplement des limites de participants à ne pas dépasser. Donc, une personne qui organise sa réunion, ben, elle a limité à 20-30 personnes, comme ça au moins ça permettait de que les échanges se fassent sans trop de problèmes. Après, ça pose la question du format dont je parlais tout à l'heure. Est-ce qu'il faut faire un format réunion ou est-ce qu'il faut faire un format webinaire pour justement ne pas avoir trop de caméras à l'écran? Ça peut être une question à se poser. Je sais que certains outils vont limiter le nombre de caméras à l'écran, même si vous êtes plus nombreux. Après, ça veut dire que vous ne voyez pas tout le monde, en tout cas pas au moment où les personnes ne parlent pas. Non, tout dépend là vraiment de votre besoin. Se poser la question, peut-être faire un test, mais c'est vrai que c'est une question. Ça abolit un peu les limites du présentiel, ou alors le présentiel. Vous voyez, quand il y a énormément de personnes présentes, c'est plus une conférence. Et dans ce cas, on a un amphithéâtre où on a vraiment une salle assez importante en face de soi. Je pense qu'il est important de peut-être d'opter pour le webinaire à ce moment-là si vous êtes vraiment très nombreux, Lucie. Je continue sur les questions-réponses, on regardera après donc le chat. Donc je vois une personne qui dit: je suis intéressé par les critères de qualité à respecter pour organiser des temps de formation de professionnels de santé en webinaire, format 2 heures. Merci. Et donc on a une personne qui rajoute: et des travailleurs sociaux, donc sur la même question. Donc voilà, je passe le message. Ben, je pense qu'on a déjà donné beaucoup d'éléments là depuis. Hein, la question a été posée depuis un moment sur la question du temps, la durée d'une séance, la question du nombre. Effectivement, je pense que il y a quelqu'un qui faisait une remarque, je trouve très juste, c'est de pouvoir nommer les prénoms quand on réagit et comme ça les personnes ont le sentiment. En fait, c'est pas un sentiment. On s'adresse à elles et donc derrière l'écran, il y a quand même une interaction qui se passe. Voilà, je pense que on aura donné dans ce module beaucoup d'infos pour proposer des formations de qualité. Très bien. Ensuite, on a. Pardon. Je suis responsable de formation d'éducateur de jeunes enfants. Une étudiante en stage en PMI s'est vue proposer un stage en partie à distance pour travailler avec des assistantes maternelles à la construction de fiches pédagogiques. Il me semble que ça, c'était donc Véronique qui nous dit ça. C'était le partage justement des différents cas concrets auxquels vous avez été confrontés. Donc ça, partage d'expérience. Merci beaucoup, Véronique. Ensuite, on a Anne-Pa qui nous dit. Qu'en est-il de la sécurisation des échanges, notamment avec les usagers patients? Alors, tout ce qui concerne la sécurité, donc confidentialité des données notamment, sécurisation des espaces de visioconférence, on en a parlé dans le module 1, donc vous pourrez le retrouver en replay. Et en ce qui concerne la sécurisation des échanges, alors après, il peut y avoir, comme vous parlez de patients, la confidentialité justement des échanges. Et il me semble qu'Eric l'avait abordé lors du module 1 ou en tout cas à un autre moment, on m'avait effectivement dit que dans le domaine médical, la question pouvait se poser de la visioconférence. Et si visioconférence il y a, eh bien, peut-être faire des échanges individuels, non enregistrés, ou en tout cas peut-être pour vraiment essayer d'être le plus confidentiel à ce niveau-là, si j'ai bien répondu à la question. Donc on a une personne qui nous dit, alors c'est MAW, mais je ne sais pas si c'est un acronyme ou un pseudo. Donc il faut savoir que Zoom sort régulièrement de nouvelles versions pour améliorer la sécurité, où il a été constaté de nombreux problèmes d'intrusion, trolls, défauts de confidentialité. Il faut s'attendre à des blocages de connexion, si pas de mise à jour. Effectivement, oui, c'est un bon point. C'est pour ça qu'il faut vraiment toujours le garder à jour. On en parlait justement dans le module 1 suite aux différents scandales qu'il y a eu pendant le confinement. Ils ont vraiment fait de gros efforts sur l'amélioration de la sécurité. Il y a maintenant des mots de passe, il y a des ID jetables, que j'ai retrouvé d'ailleurs, Didier, j'ai retrouvé le numéro de la conférence d'aujourd'hui entre-temps. Donc, si ça vous intéresse, je vous l'écrirai tout à l'heure. Donc,
Très bien pour ça. Ensuite, on a donc le réseau des accorderies qui nous demande, existe-t-il un outil gratuit pour envoyer des SMS en grand nombre? On sort un petit peu du sujet du webinaire, mais oui, il en existe certains. Voilà. Ensuite, on a Cécile qui nous dit merci Eric pour la réponse. Effectivement, cela nécessite une maîtrise de l'outil, avoir une formation. Je suis là car besoin de mieux connaître avant d'être face à des cours s'il en fit. Donc ça, c'était la question qui rejoignait justement la préparation de la rentrée avec les étudiants, notamment. Très bien. Donc Cécile, si on a pu vous apporter en tout cas à travers cette formation des pistes justement pour préparer votre rentrée. C'est tant mieux et j'espère que les témoignages justement des uns et des autres vous serviront aussi à préparer au mieux. Donc Céline qui nous demande avec Zoom, enfin qui nous dit plutôt avec Zoom, pas besoin car aucun téléchargement, juste un lien auquel se connecter. Très souvent, Zoom va vous demander de télécharger un logiciel, mais vous le verrez, je vous le montre dans le petit tuto qui a été préparé en vidéo et qui sera disponible sur YouTube, qu'on vous partagera en lien. Il y a une astuce, effectivement, en tout cas, lorsque vous êtes invité, pour ne pas télécharger le programme. Sinon, d'office, le site Zoom vous le propose directement à télécharger. Donc, ça semble en tout cas obligatoire, mais effectivement, ça ne l'est pas. Et les jeunes, en tout cas, elle rajoute, les jeunes sont très rapides avec ces nouveaux modes de formation, de communication. On peut l'imaginer effectivement, et on parlait tout à l'heure justement de nos aînés, justement à essayer d'amener petit à petit vers ces outils, si on souhaite en tout cas qu'elles puissent échanger avec nous, à distance en tout cas. Alors ensuite, je reprends quelques échanges. Et donc, oui, Sylvie, on avait déjà réagi justement sur l'importance de redire que la visio est une nouvelle pratique. Et c'était le cas justement de ce module, hein, de rappeler que c'est un nouvel outil de communication, que ça nécessite pardon, de nouveaux usages et qu'il va falloir justement petit à petit se les approprier, voire en tout cas peut-être faire évoluer aussi notre pratique par certains aspects sans que cela remplace évidemment le présentiel. Donc Fanny qui réagit sur ce que tu disais Eric, sur le fait de nommer effectivement les personnes à qui on s'adresse. Oui, et puis c'est plus humain, hein, c'est dommage de s'en priver quand on a l'occasion de le faire. C'est pour ça peut-être aussi, on a la possibilité sur les outils de se renommer, d'utiliser des pseudos. Mais si vous voulez pas mettre le nom-prénom, mettez juste un prénom, ça permettra déjà dans les échanges en tout cas, pourquoi pas d'échanger à ce niveau-là, c'est vrai que c'est agréable. Je regarde si. Alors après, c'est vrai qu'on revient sur les différents partages justement d'expériences, de cas concrets d'utilisation de la visio dans le social, le médico-social. Je remonte un petit peu. C'était à cet endroit-là, ici. Voilà. Je m'étais arrêté. Donc à Lucille qui nous disait de nouvelles pratiques dans un SAMSA pour adultes autistes, la mise en place de visio en groupe de bénéficiaires pour certains qui ne souhaitaient pas juste là participer à de vrais temps en groupe avec le choix ou pas de mettre sa caméra. Effectivement, on en revient justement au choix de l'activer ou pas. Peut-être que dans certains cas, il peut être intéressant en tout cas, de laisser la possibilité de choisir. Et tout à fait. Votre expérience, un temps d'hommage familial suite à un décès en temps de confinement où les rassemblements n'étaient pas possibles, tant qu'il n'a pas été plébiscité car probablement pas suffisamment préparé, voire animé, structuré. Effectivement, ça peut être plus compliqué à structurer, en tout cas, c'est, j'imagine. Mais ça peut avoir d'autres usages, effectivement, que le strict domaine professionnel. On parlait tout à l'heure, par exemple, du soutien auprès de ses collègues, auprès de ses proches, auprès de personnes qui sont potentiellement en maison de retraite. C'est encore d'autres usages, effectivement, de la visioconférence. Alors, on découvre aussi, Lucie nous dit, on découvre aussi l'aspect financier de la visio. Cela coûte moins cher de faire une visio que de regrouper, par exemple, une dizaine de salariés répartis dans une grande région. Oui,
ça coûte moins cher. Alors, oui, c'est quand même un peu moins polluant, bien qu'on le disait tout à l'heure justement, bah, l'impact environnemental de la visio, de l'usage des outils numériques n'est pas indéniable, mais c'est vrai que tout se déplacer, la logistique, le temps qu'on va passer dans les transports, en plus du coût financier, comme vous le soulignez, Lucide, c'est autant de critères qui peuvent parfois amener à privilégier la visio, au moins pour certains échanges, et puis peut-être pour d'autres un peu plus structurants, de se réunir tout de même pour garder ce côté humain, présentiel, qui est assez indispensable. Alix nous disait se former chez soi, à n'importe quelle heure, avoir le choix de se former à ce que l'on aime aussi, faire des ateliers créatifs. Oui. Eric en parlait justement, ayant suivi une formation pendant le confinement, enfin, en tout cas des ateliers chaque jour. Les formations maintenant, c'est vrai, se développent beaucoup en ligne. On peut assister à des formations en ligne simplement, en s'inscrivant, à distance, en quelques clics. Et c'est vrai que, eh bien, pour tous, ça va être un enrichissement sans doute intellectuel aussi parfois, et pour améliorer notre pratique aussi. Pouvoir se former en visio à moindre coût, accéder à des formations, des MOOC gratuits, c'était vraiment chouette pour tenir le coup pendant ce confinement. Je ne savais même pas que cela pouvait exister, nous dit Florence, et nous dit Karine. Réduction des coûts de déplacement, nous redit effectivement Mo. Très bien, je pense qu'on a à peu près fait le tour. Il y a énormément de témoignages, je pense qu'on pourrait passer toute la journée à les lire, mais voilà, je pense qu'on a globalement fait le tour. On arrive à la fin de ce module, en tout cas pour ma part. Je ne sais pas si Eric, tu souhaites ajouter quelque chose pour conclure, mais. Pour conclure rapidement, d'abord, on espère surtout qu'on a pu répondre au maximum à vos questions. N'hésitez surtout pas à nous faire un retour, c'est toujours intéressant. C'est aussi pour nous une nouveauté, hein. Donc on est en train d'apprendre en même temps qu'on apprend aux autres. Je pense que vous aurez compris qu'on est pour un usage modéré, qualité de la visioconférence dans notre champ en tout cas. Et puis vient une citation que l'on ne se sent pas, que l'on ne, pardon, qu'on ne se sert pas de la technologie, d'un substitut à la chaleur humaine. Et dans notre champ, c'est particulièrement vrai. Voilà. Et je vous dis à bientôt. Merci Eric, à bientôt. Merci à tous d'avoir suivi ce module et rendez-vous donc vendredi prochain pour le troisième module de la formation. C'est un module qui sera donc beaucoup plus interactif. On essaiera, dans la mesure du possible, de donner la parole aux différents participants en visio, si vous le voulez bien en tout cas, avec votre micro. Et ce sera vraiment basé sur le partage. C'est-à-dire que d'ici là, n'hésitez pas à continuer votre pratique de la visioconférence, pourquoi pas à l'initier si vous ne l'avez pas encore fait. Servez-vous de ce que vous aurez vu en module 1, en module 2, qu'on va essayer de rendre le plus rapidement disponible en replay. Et comme ça, on débriefe vraiment en module 3, c'est un retour sur la pratique, un retour d'expérience. Et ça nous permettra, bien, peut-être de répondre à vos dernières questions sur le sujet. Merci à tous et à bientôt. Au revoir. Au revoir.